Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc Miel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un wrap au bœuf et au fromage fondu. Vous allez voir, c'est super bon, c'est parti. On commence cette recette en coupant très finement l'oignon rouge. Vous le placez ensuite dans une petite assiette, vous le réservez. Ensuite, on va s'occuper des tomates. Donc, vous allez les couper en quartiers et vous allez les épépiner. Vous retirez vraiment tout l'intérieur. Il ne doit vous rester que la chair. Ensuite, comme pour les oignons, vous allez les couper en lanières et ensuite vous les coupez à nouveau donc, en petits cubes, donc plus ou moins de la même taille que l'oignon. Quand c'est coupé, vous le réservez. Ensuite, on va prendre une petite poêle et sur un feu moyen, vous allez faire chauffer un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, comme vous voulez. Vous allez placer les oignons, on ajoute du sel et du poivre et vous allez les faire revenir tout doucement comme ça pendant 3-4 minutes. Au bout de 3-4 minutes, on va y ajouter le bœuf frais, vous l'écrasez pour que ça soit vraiment le plus fin possible. Et vous allez faire revenir votre viande, mais c'est très rapide, pareil, 3-4 minutes. Et quand elle est à mi-cuisson, on va y ajouter les dés de tomates. On mélange bien et toujours sur un feu moyen, on prolonge la cuisson pendant à peu près 5 minutes, c'est vraiment rapide. On assaisonne à nouveau, sel, poivre et là j'ai ajouté de la sauce, elle est vraiment d'enfer cette sauce. C'est la jalapenos et ça picote un petit peu, mais je vous promets que ça brûle pas comme du piment. Ça relève le plat, ça donne beaucoup de goût. Si vous arrivez à la trouver, c'est vraiment super bon. Ensuite, on y ajoute les petites tostinettes de cheddar. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce fromage, mais franchement, c'est super bon. Ça fait comme le fromage à burger, donc dans le wrap, ça va vraiment bien. Donc on l'ajoute, on met feu doux, on couvre, on laisse fondre. Et là, après, vous pouvez éteindre le feu. Vous allez bien mélanger. Il faut vraiment que le fromage enrobe la viande, que ce soit vraiment bien fondu. Alors ensuite, on va passer au montage. Donc vous prenez votre wrap, vous ajoutez une belle feuille de salade. On y ajoute la préparation de bœuf. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de lanière de poivron rouge, des grands cornichons malasol. J'ai remis à nouveau de la salade et ensuite vous fermez. Donc vous repliez d'abord le bas et ensuite côté gauche, puis côté droit. Alors il faut bien le maintenir ou alors il ne faut pas trop les charger. Ça s'échappe un petit peu, mais bon, après une fois que c'est fermé, vous l'avez bien en main et puis vous le mangez généralement rapidement. Alors pour les garder un petit peu plus longtemps au chaud, vous pouvez les emballer dans de l'aluminium. Là, c'est vraiment impeccable, le temps de faire les autres. Donc voilà, c'est assez copieux parce qu'il y a plein de fromage, il y a plein de bœuf. Donc vous pouvez en manger un avec une grosse salade ou quelques frites. Et bon, si vous êtes super gourmand, bien sûr, vous en mangez deux avec des grosses salades et plein de frites. Voilà, c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous plaira. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à faire cette recette, à faire une jolie photo, à me l'envoyer sur Facebook parce que je vous le dis à chaque fois, mais ça fait vraiment trop plaisir d'avoir toutes vos photos. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter en cherchant Choc Miel Cooking ou encore sur Instagram en cherchant Choc Miel. En attendant, je vous dis à bientôt.